Voilà, en espérant qu'on soit dans le champ. Dans le champ de qui, de quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. C'est chiant. Mais faut qu'on nous voit bien. Le bleu en bleu, ça te fait plaisir. Non, mais j'aime pas le bleu. Comment ça t'aimes pas le bleu? Comment c'est possible de payer le bleu? Je sais pas, le bleu, ça m'endort. Genre voilà, le bleu, bleu, voilà. Bleu de les baleines là. Bleu de les baleines? Ouais, bleu de l'océan. D'accord. Ouais. Je pourrais devenir youtubeur. Hein. Ouais, du coup, t'as un petit cran, l'espoir fait vivre, hein, comme on dit. Comment c'est possible d'avoir du coulis comme ça dans le nez? J'ai mal au ventre. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue donc dans le premier vlog de cette chaîne. Et comme vous l'avez vu aujourd'hui pour cette vidéo, je suis pas seul, je suis en compagnie de Ethan. Bien le bonsoir. Ah, t'as encore innové depuis la première phrase qu'a raté. C'est pas possible. Mais mec, comment tu peux être... Non mais sérieux, c'est quoi ce bail de fou? Je pensais que t'avais lancé l'enregistrement, moi. Mais c'est toi qui le lance, moi je sais même pas comment ça marche. Dans le début? Bah oui. C'est ça. T'es vraiment quelqu'un de... Ah, je veux que quelqu'un d'innovant. C'est pas comme si on avait dit la même chose il y a 30 secondes et non, qu'on s'est rendu compte que la caméra qui est là ne filme pas. Dans cette vidéo, vous l'aurez lu au titre, parce que je pense pas que vous cliquez sur les vidéos au hasard. Sauf si vous êtes endormi. Somme toute, ça me fait des vues, donc au pire, merci. Mais bref... Cette intro commence à devenir beaucoup trop longue et elle est même pas encore terminée. Dans cette vidéo en compagnie d'Ethan qui m'a déjà accompagné dans quelques-unes de mes vidéos. Il est actuellement 22h45, ça fait 20 minutes qu'on essaie de faire l'intro. Sur ce, je vous l'ai déjà dit, mais il est 22h46 et on va commencer peut-être à se préparer. Parce que demain, ça va piquer et on se retrouve... Soit demain, je sais pas. On veut une bombe au pop-up, mon ref. Redis-le. J'ai dit, on se retrouve à Europa Park. Voilà, j'aurais pas dit ça si bien. C'est gentil. Eh bien, bonjour. On est le 17 décembre. Il est 8h12. On est fatigué. Beaucoup trop tard. Trop. On se retrouve, je ne sais pas quand. À Europa Park, bordel. Ah. Bon, et ben il est 11h27, heure d'Allemagne. Et on est bien arrivé, il y a un monde de fou, comme vous le voyez. Et on vient malheureusement de nous annoncer que la plupart des trucs seront sûrement fermés. Donc bon, bah c'est pas une super bonne nouvelle. On verra bien comment on va faire, on va trouver une solution. Là, on va se diriger vers le quartier français pour essayer de faire le cancan, coaster. Et on va voir comment ça se passe. On se voit tout de suite. Donc oui. Alors à ce moment-là, vous avez peut-être pas compris ce qui vient de se passer, mais comme vous l'avez vu, on vient d'arriver dans le parc. Sauf que le problème, c'est qu'on est en hiver et que hier, pour le coup, parce que bah, là, on est le lendemain de la vidéo que vous êtes en train de regarder, que je suis en train de monter, et bah, hier, à Europa Park, il faisait en gros entre moins 6 et moins 9 degrés. Le problème, c'est que les grosses attractions, type Silver Star, Blue Fire ou Vodan, ont besoin d'entre 4 et 5 degrés pour tourner. Et là, bah, comme je viens de vous le dire, c'était pas du tout le cas. Il faisait beaucoup trop froid. Donc on va quand même se diriger vers les attractions. Vous le verrez très probablement pas parce que c'est pas intéressant. Mais en gros, bah, les attractions étaient fermées. On s'est retrouvé face tout simplement bah, à des barrières avec des gens devant qui nous disaient qu'on pouvait pas passer. Normalement, ça fait un peu plus peur. Le truc là, c'est que du coup, niveau attraction, sensation, dans la journée, au lieu de pouvoir toutes les faire, bah, on a pu en faire deux. Et elles étaient pas non plus top. Alors je vous invite quand même à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y a quand même des moments sympas. Et donc ce qui était prévu, c'est qu'en gros, au printemps, on fasse... entre guillemets comme un épisode 2 ou une partie 2 de cette vidéo, c'est-à-dire qu'on va au printemps avec Ethan retourner à Europa Park, mais ce coup-ci pour faire les grosses attractions. Donc en tout cas je m'excuse pour les personnes qui voulaient voir les grosses attractions, mais même moi bah, j'ai été bien dégoûté sur le coup.
Donc voilà. Sur ce, bon bah bon visionnage et je vous remets la vidéo. Le charme chroma, soit tu perds, soit tu gagnes, ouais c'est binaire. J'emmène 40 sans séminaire. J'avais pas sauvegardé, j'avais juste mis sur pause. On a bien mangé, on a bien bu et on part se faire un truc. Bien dans le ventre, la peau du ventre bien tendue. Voilà. Je sais pas.
Cette vidéo, comme vous l'avez vu, touche à sa fin. Notre santé aussi probablement touche à sa fin parce que... Oui, c'est... Alors, un petit avis global sur, sur cette superbe sortie. Si je devais dire un mot, en vrai, déçu. Ah, voilà. En fait, je pense qu'on est vraiment pas allé à la bonne période et au bon jour surtout. Voilà, si vous voulez aller à Europa Park, vérifiez avant la température. Ouais. S'il fait moins de 5 degrés, annulé. Et même hein, si il a neigé... Pareil. L'hiver, c'est bien pour... Et les décorations de Noël. Par contre, c'était très joli. Pour les décorations de Noël. Mais alors, que ce soit pour la batterie des caméras, qui n'aime pas le froid et du coup qui nous lâche. C'est une catastrophe. Pour les manèges fermés. Et pour tout ça, n'y allez pas en hiver. Si vous comptez faire de grandes sensations. Ouais. Pour le reste, n'hésitez pas. Ça peut être pas trop mal. Et si les moyens, le temps et la motivation nous le permettent, on y retournera probablement au printemps, histoire, ouais, il fera bon. Histoire de se taper le bon gros Blue Fire, le bon gros Silver Star, ainsi que le Vaudan. Vous l'aurez remarqué, il n'y a vraiment plus aucune motivation dans tout ça. Je suis fatigué. Moi aussi. Il est actuellement... 21h40, je le montre là, ça vous fait plaisir. Ça fait presque 24 heures qu'on a tourné l'intro. Oui. Et cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à aller voir les autres. On fait avec ce qu'on peut. Sur ce, je vous aime. À la prochaine. Ciao. On va manger. Oh, l'outro de flemmard.